Quelles sont les 5 qualités à avoir pour devenir comptable ? L'apprentissage de la comptabilité est-il fait pour vous ? Pour répondre à cette question, nous vous proposons de faire un petit tour d'horizon des 5 qualités essentielles à avoir avant de s'inscrire à un cours de comptabilité. Le comptable ou la comptable doit aimer les chiffres. Il est bon de rappeler parfois certaines évidences. La première qualité à avoir avant de commencer à apprendre la comptabilité est d'aimer jongler avec les chiffres. Aimer les chiffres ne veut pas dire être un génie des mathématiques et ça n'a même pas grand-chose à voir avec cela. En revanche, il est vivement conseillé à toute personne désirant apprendre la comptabilité d'avoir une grande connivence avec les chiffres. Car ceux-ci seront pendant des années ses compagnons de travail quotidien. Il est difficile de travailler pendant longtemps avec des outils que l'on n'aime pas. Le comptable doit être rigoureux et organisé. La comptabilité demande une grande rigueur et une bonne organisation. On ne demandera pas à un comptable d'être créatif, mais au contraire, d'être bien ancré dans la réalité, d'avoir un grand sens pratique. Il doit être capable de produire un travail très précis et de le rendre dans les délais prévus. Le comptable doit être polyvalent. Le comptable travaillant dans une petite structure doit être polyvalent et capable d'accomplir des tâches variées. Cela va de l'édition des fiches de salaire jusqu'à l'établissement des documents obligatoires annuels, comme les bilans et comptes de résultats, comptes de pertes et profits. Le comptable doit être sociable. Le comptable sera appelé à rencontrer des clients. Il devra faire preuve de sociabilité, avoir un bon sens de la communication et savoir adapter son langage à un public très varié. Le comptable devra aussi interagir à l'interne d'une entreprise avec des collègues d'autres départements que le service financier pour lequel il travaillera. Cela demande, par exemple, d'adapter son langage technique, le jargon financier, à des profanes et expliquer certains aspects. Une approche vulgarisée et pédagogique s'avère parfois nécessaire en fonction du contexte professionnel. D'autres qualités utiles à chaque ambition et projet de carrière. Comme vous pouvez le constater, un bon comptable ou une bonne comptable doit utiliser tout un panel de compétences. Ces compétences peuvent être techniques, soit liées directement au métier de la finance et de la comptabilité, soit sociales. Les compétences sociales sont tout aussi importantes, surtout selon le niveau hiérarchique visé. En effet, selon le niveau de responsabilité, le comptable doit être à l'aise pour s'exprimer en public, diriger une équipe ou encore user de diplomatie dans des situations de conflit inévitables tôt ou tard dans la vie professionnelle. Des cours de management feraient donc totalement sens en marge ou en supplément des cours de comptabilité si des niveaux hiérarchiques élevés sont visés, comme directeur ou directrice des finances. Pour des niveaux de responsabilité plus modestes, qui sont tout aussi valables du point de vue d'un choix de carrière, typiquement pour les aides comptables ou assistants comptables, la curiosité professionnelle et l'envie de se former continuellement sont des qualités toujours très appréciées par les employeurs, surtout dans le secteur comptable et financier qui évolue en permanence. Pour découvrir les formations en ligne de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche.